Nous allons vivre ce soir une aventure. Les auteurs et producteurs de cette émission sont entre autres les créateurs de beaucoup de jeux télévisés, de La tête et les jambes à La bourse aux idées, en passant par Le Schmilblick ou Le francophonissime. Il aurait donc été facile de réaliser un jeu d'avance populaire, d'avance assuré du succès. Au lieu de cela, ils ont préféré se lancer dans une entreprise révolutionnaire et risquée. Pourquoi cette entreprise ? Parce que pour éviter la lassitude du public, il est nécessaire d'essayer de renouveler les spectacles télévisés chaque fois qu'on le peut et de chercher à démontrer que le jeu n'est pas, par définition, un délassement infantile. Pourquoi ce jeu est-il révolutionnaire ? Parce que pour la première fois, ce jeu ne fait appel ni à des aptitudes physiques, ni à la mémoire des candidats. Dans Pourquoi ? Vous n'allez pas voir des individus capables d'apprendre par cœur l'annuaire téléphonique, mais des gens dont le talent doit consister à être intelligent, à penser juste et à savoir exprimer leurs pensées avec exactitude et concision. Pour la première fois à la télévision, vous allez voir un spectacle réellement improvisé. Les questions ne sont pas préparées. Impossible de savoir à l'avance de quoi nous allons parler. Peut-être la contestation la plus violente va-t-elle s'instaurer. Peut-être va-t-il être tenu des propos inhabituels. Peut-être serez-vous troublé, offusqué, indigné, à moins que vous n'approuviez sans réserve. Il s'agit à la fois d'une expérience et d'un jeu qui vont permettre à tous d'observer le cheminement logique de la pensée des candidats successifs. Cette expérience est sans aucun doute risquée. Elle pourra parfois vous paraître déroutante. Ne vous découragez pas, découvrez-la avec nous. Et si vous n'y parvenez pas, c'est que tout simplement, nous n'aurons pas su vous intéresser. Bonsoir à tous. Eh bien, vous voyez, pour mon retour à la télévision, je suis plutôt gâté. Je ne vais pas vous parler du règlement de ce jeu, nous allons le découvrir ensemble en jouant. Mais je vais vous montrer maintenant les personnalités qui vont ce soir participer à ce nouveau jeu. Pourquoi ? Tout d'abord, nous aurons des jurés experts. Jacques Capelovici, qui est linguiste. À ses côtés, Pierre Bourget, journaliste médical, Nicolas Strosky, journaliste scientifique, et puis Madame Claude Dulon, historienne, Jean-François Cap, que vous reconnaissez, historien également. Ces jurés seront chargés d'accepter ou de refuser les réponses du candidat. Voici maintenant, enfermés dans leur tour de verre, bien isolés du reste du plateau, on vous dira pourquoi tout à l'heure, les défenseurs du trésor public chargés d'établir les questions qui vont être posées aux candidats. Jacques Bergier, écrivain scientifique, membre de l'Académie des sciences de New York, André Voisin, producteur à l'ORTF, Jean-Marc Epinoux et Jacques-Antoine, le producteur de cette émission. Nous avons aussi, bien entendu, un candidat, il en faut un, vous allez voir, il est très important ce candidat. Notre premier candidat, le voici, bonsoir monsieur. Quel est votre nom ? Monsieur Jean Abbe. Jean Abbe. Quel âge avez-vous monsieur ? 40 ans. 40 ans. Quelle est votre profession ? Fonctionnaire. Bon, mais fonctionnaire où monsieur ? C'est un petit peu fonctionnaire vague. Au ministère du Travail. Au ministère du Travail. Eh bien monsieur, êtes-vous marié ? Non, célibataire. Célibataire. Monsieur, nous vous connaissons un petit peu mieux, nous allons je crois apprendre à vous connaître beaucoup mieux encore au cours de cette émission. J'ai près de moi des questions dans un magnifique bocal, vous voyez, et vous aurez, monsieur, une minute pour répondre à toutes les questions et à la première que je vais vous poser tout à l'heure. Une minute, cela peut paraître peut-être un petit peu long, mais vous allez voir qu'en réalité, ça ne l'est pas, car le candidat devra chercher
pas seulement à répondre à la première question, mais aux autres, celles qui vont suivre, un petit peu comme un joueur d'échecs cherche, vous le savez, avant de déplacer sa pièce, ce qu'il va faire après. Monsieur, je vous demanderai également d'écrire votre question. C'est simplement lorsqu'elle sera écrite que vous pourrez la poser. Eh bien, monsieur, j'ai tiré la première question, qui sera donc la première question de ce nouveau jeu. Pourquoi ? Monsieur, avez-vous froid ? Vous avez une minute, je déclenche le chronomètre, pour répondre à cette question. Mais bien sûr, monsieur, comme la réponse est assez facile, c'est oui ou non, vous pouvez bien sûr répondre très rapidement. C'est d'ailleurs ce que je vous demande pour les premières questions, s'il vous plaît. Avez-vous froid ? Trente secondes déjà, monsieur. Vous avez terminé, monsieur ? Je vais terminer. Bon, très bien, vous donnez un double, bien sûr. Et vous allez répondre vous-même maintenant à cette question. Avez-vous froid ? Non, je n'ai pas froid. Alors, monsieur, nous avons enregistré votre question pour le contrôle, bien sûr, et en cas de contestation. Et nous allons maintenant entendre l'enregistrement de votre réponse. Non, je n'ai pas froid. Voilà. Alors maintenant, nous allons demander, bien sûr, à nos jurés de réagir, de voter. Mais avant de réagir, avez-vous quelque chose à dire sur cette réponse de Monsieur Abbe ? Monsieur Capilovici. Non, réponse pertinente et grammaticalement irréprochable. Bien. Messieurs les scientifiques. Physiologiquement acceptable, nous sommes dans la même condition que le candidat. Bien. Quant aux historiens, historiens. Encore que rigoureusement contemporaine, cette réponse paraît valable aux historiens. Bien. Eh bien, je vous demande de voter maintenant. Monsieur, votre réponse est acceptée. Vous avez donc gagné déjà 10 francs. Défenseur du Trésor public chargé d'établir les questions. Attention, deuxième question. Bien, monsieur, puisque vous n'avez pas froid, nous allons logiquement vous demander pourquoi n'avez-vous pas froid ? Pourquoi n'avez-vous pas froid ? Monsieur, vous avez toujours une minute pour répondre. Pourquoi n'avez-vous pas froid ? C'est déjà terminé, monsieur ? C'est terminé. C'est parfait, en 20 secondes, c'est très bien. Il faut aller vite pour les premières questions. Pourquoi n'avez-vous pas froid ? Réponse, parce que je me trouve dans une pièce chauffée. Nous allons réentendre, monsieur, votre réponse enregistrée. Parce que je me trouve dans une pièce chauffée. Monsieur Capilovici ? Aucune critique. Aucune critique. Les scientifiques ? Cela correspond à la réalité. Pas tout à fait, parce que je ne sais pas si cette pièce est chauffée. Disons d'une façon plus nuancée qu'il fait assez chaud dans cette pièce. Par conséquent, la réponse est pertinente. Bien, les historiens. C'est une pièce chaude, ça n'est pas une pièce chauffée. Mais la réponse nous semble valable. Bon, eh bien, vous votez. Eh bien, monsieur, votre réponse est acceptée, vous le voyez, et vous gagnez maintenant 20 francs. Défenseur du Trésor public, troisième question. Eh bien, à réponse simple, question simple, pourquoi le fait que vous soyez dans une pièce chauffée vous empêche-t-il d'avoir froid ? Voulez-vous répéter, s'il vous plaît ? Pourquoi le fait que vous soyez dans une pièce chauffée vous empêche-t-il d'avoir froid ? Vous avez bien compris, monsieur ? Tout à fait. Une minute. Pourquoi le fait que vous soyez dans une pièce chauffée vous empêche-t-il d'avoir froid ? Trente secondes, monsieur. Plus que 15 secondes.
Voilà, c'est fait. Je vous demande, monsieur, de nous donner très clairement et lentement, si vous voulez bien, votre réponse. Parce que la température ambiante est proche de la température de mon corps. Nous allons réentendre votre réponse. Enregistrée. Parce que la température ambiante est proche de la température de mon corps. Bon, sur le plan de la sémantique, Jacques Capelovici, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Il n'y a rien à redire et je passe la parole aux scientifiques directement. Mm-hmm. C'est gentil de nous passer la parole, mais à vrai dire, c'est un cadeau empoisonné que vous nous faites, mon cher Capelovici. Parce que la réponse est extrêmement habile, mais ne correspond pas tout à fait à la réalité physiologique objective, car s'il faisait dans cette pièce, par exemple, 15 degrés de moins, vous n'auriez pas froid non plus, et la température de cette pièce ne correspond vraisemblablement pas à votre température moyenne de 37 degrés. Mais compte tenu qu'il s'agit d'une réponse de première question, je l'accepte sous réserve mentale. Nicolas Skorski, vous êtes de cet avis? Je l'accepte. Bon, les historiens? Aussi. Les historiens aussi. Eh bien, vous votez, s'il vous plaît. Réponse acceptée, monsieur Imbe, 40 francs. Maintenant, nous demandons aux défenseurs du Trésor public leur quatrième question. Bien. Pourquoi la sensation de froid dépend-elle d'une différence entre la température ambiante de la pièce et la température de votre corps? Je répète, pourquoi la sensation de froid dépend-elle d'une différence entre la température ambiante de la pièce et la température de votre corps? Monsieur, vous avez une minute. Oui. Pourquoi la sensation de froid dépend-elle d'une différence entre une température ambiante et la température de votre corps? Trente secondes, monsieur. Attention, plus que 10 secondes. 5 secondes. Top, monsieur. C'est terminé. C'était juste. Alors, vous allez très lentement, je pense que votre réponse est assez longue. Vous allez répondre très lentement, s'il vous plaît. Parce qu'aucune réaction physiologique n'a été déclenchée par une si faible différence de température. Nous réécoutons votre réponse pour que le jury puisse bien noter. Parce qu'aucune réaction physiologique n'a été déclenchée par une si faible différence de température. J'ai envie de m'adresser immédiatement aux scientifiques, à moins que Jacques Capelovici ait quelque chose à dire, oui. Messieurs les journaliste scientifique, vous avez bien compris la réponse? Non, pas très bien. Est-ce qu'il serait possible de l'entendre une autre fois? Oui, alors monsieur, voulez-vous nous la redonner, s'il vous plaît? Vous l'avez actuellement? Parce qu'aucune différence, aucune réaction physiologique n'a été déclenchée par une si faible différence de température, c'est bien cela, monsieur? C'est cela. Oui, vous avez remarquablement répondu à la question, mais la question qui vous était posée était la sensation. Et vous avez fait, semble-t-il, une légère confusion entre la sensation qui est la vôtre d'une différence et une réaction physiologique dont il n'est pas certain que vous seriez capable de l'éprouver vous-même. Compte tenu de l'imprécision, ou plus exactement de la confusion entre sensation et réaction,
je vous donne ma bénédiction provisoire. Et je ne suis pas sur ce terrain, mon ami Bourget, parce que des réactions physiologiques, on en ressent continuellement, que la sensation du froid et du chaud arrive continuellement à notre organisme, si bien que vous ne pouvez pas dire, vous n'avez pas reçu une réaction physiologique. Votre réaction physiologique, vous l'avez eue, mais elle n'a pas déclenché une sensation de différence. Bien. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Alors, il y a quelque chose... Oui, alors les historiens ont la parole. Qui m'étonne et qui, évidemment, n'est pas, venant de notre part, ça ne vous étonnera point, du domaine scientifique. C'est que tout à l'heure, et je m'étonne maintenant de l'étonnante indulgence de Pierre Bourget, celui-ci avait émis des réserves et avait dénoncé le terme « proche » en disant « si c'est proche, c'est qu'il ferait 37 dans cette pièce ». Et dans la réponse du candidat maintenant, je retrouve, n'est-ce pas, la même notion, à mon avis, un peu vicieuse sur le plan du langage, puisqu'il parle à nouveau d'une si faible différence. Oui, il est certain, c'est un point, si l'historien vient au secours du grammairien, il est certain qu'il y a eu une petite confusion entre la notion de différence et celle de réaction, et la notion de peu de différence entre la température ambiante que vous croyez percevoir et la température réelle de l'intérieur de votre organisme. Mais alors là, il faudrait faire un cours peut-être au Collège de France pour aller dans toutes les nuances. Non, nous pourrions peut-être demander à Jacques Capelovici ce qu'il en pense, même il était mis en cause là. Voyez-vous, les adjectifs faibles et proches impliquent des notions toutes relatives. Il faut donc être indulgent et compréhensif. Bien. Mais je vais passer pour un bourreau. Non, mais pas du tout. Écoutez, tout vous êtes gentil ou un peu large, Jacques Capelovici? Qu'appelez-vous faiblesse, en l'occurrence? Ça, c'est un autre débat, alors, c'est un autre débat. Dites-moi, alors, je vais vous demander de voter maintenant. Là, ça sera peut-être plus serré, nous allons voir. Eh bien, voyez, monsieur, on est gentil avec vous. Acceptez. 80 francs maintenant. Vous allez poser, messieurs, s'il vous plaît, la cinquième question. Alors, nous vous poursuivons un tout petit peu. Pourquoi une différence de température déclenche-t-elle une réaction physiologique de froid? Je répète, pourquoi une différence de température déclenche-t-elle une réaction physiologique de froid? Une minute, monsieur, pour répondre. Eh bien, vous voyez, mes amis, que le jeu consiste, pour les représentants du trésor public, à essayer de coincer notre candidat, et lui doit essayer de s'en sortir, bien sûr, et à partir d'une question extrêmement banale, on peut arriver, bien sûr, à des éléments assez élevés. Monsieur, il vous reste 30 secondes. Pourquoi une différence de température déclenche-t-elle une réaction physiologique de froid? Attention, monsieur, il vous reste 5 secondes. C'est terminé, c'est terminé. Alors, monsieur, vous nous donnez votre réponse, clairement, lentement, s'il vous plaît. Cette réaction est superficielle et elle provient de l'érection du système pileux. Nous réécoutons, monsieur, maintenant, votre réponse qui vient d'être enregistrée. Cette réaction est superficielle et elle provient de l'érection du système pileux. Jacques Capelovici, y a-t-il quelque chose à dire? Non, c'est une réponse de caractère un peu épidermique qui est du domaine des scientifiques de nouveau. Alors, messieurs les scientifiques, c'est encore à vous. Nous nous excusons, mais nous ne pouvons pas, je ne peux pas en ce qui me concerne, accepter cette réponse. Pour une raison de vocabulaire, lorsque vous dites que cette réaction est superficielle, j'eusse préféré que vous eussiez employé l'adjectif « réaction cutanée ». Plutôt que superficielle, j'entends bien que la peau est le revêtement superficiel du corps, j'aurais préféré cutané. Mais vous n'avez pas dit dans votre réponse ce qui me paraît important, c'est que la réaction corporelle, ce que vous appelez l'érection du système pileux, ce n'est pas, on ne peut pas appeler ça une réaction, c'est une adaptation. C'est une adaptation réactive, mais une adaptation de l'ensemble du corps humain
à cette petite agression provoquée par la baisse de température. Compte tenu, monsieur, que vous êtes fonctionnaire et que vous n'êtes pas, peut-être que vous n'avez pas fait d'études de physiologie, je serai, par gentillesse naturelle, prêt à accepter votre réponse, de façon à essayer, dans les réponses prochaines, à essayer de vous orienter vers des formulations de réponses beaucoup plus précises. C'est un avertissement, monsieur, j'ai l'impression... Oui. Attendez. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette réaction, comme vous dites, d'érection du système pileux, n'est pas une cause, mais un effet superficiel qui correspond à une sensation de froid. D'ailleurs, je me demande pourquoi on parle tellement de froid alors qu'on est en train de cuire. mais je ne suis pas d'accord. Bien, une fois de plus. Les historiens avaient pris la parole tout à l'heure. Moi, je voulais dire exactement la même chose. Je me demande si on ne prend pas la conséquence pour la cause. Évidemment grave, Jean-François. D'ailleurs, Pierre Dac disait bien une fois que le froid, c'était de la chaleur fondue. Mais ça, je veux bien le croire. Jean-François Cap, il est saisi d'admiration pour la science, à la fois du candidat et des jurés, qui m'ont l'air d'ailleurs très gentils, ce qui m'étonne de la part de Bourget. Et Jean-François Cap dit tout de suite qu'il votera pour. Bon, bien, nous allons voir les résultats. Ça n'est pas encore vraiment terminé pour M. Hab. Alors, le vote est fait. Ah ! Aïe, aïe, aïe. Refusez, M. Hab, refusez. Alors, ça n'est pas terminé pour vous. M. Hab, vous vous êtes bien battu jusqu'à maintenant. Vous pouvez vous défendre encore. Vous avez le droit de plaider votre cause. Il n'y aura pas d'avocat près de vous. Vous allez être votre propre avocat. Pendant quelques minutes, vous pouvez vous défendre ou même, mieux encore, donner une nouvelle réponse et peut-être allez-vous séduire cette fois nos jurés. Monsieur Hab, nous vous écoutons. Il m'a été demandé de traiter d'une réaction superficielle cutanée d'une sensation de froid. Je vais donc mentionner l'aboutissement et non pas le point de départ. C'est pourquoi je me suis arrêté à la peau où se manifeste précisément la sensation de froid. Vous avez terminé, monsieur ? J'ai terminé. Votre plaidoyer. Eh bien, messieurs les jurés, madame, avez-vous maintenant des commentaires à faire après cette plaidoirie et après ces éléments nouveaux, peut-être ? Oui ? Oui, je suppose, puisque le candidat a remplacé l'idée de point de départ par celle d'aboutissement, qu'il renonce à employer le verbe provient. Je suppose. Oui. Messieurs les scientifiques, la satisfaction de Monsieur Bourget. Nous pourrions réviser peut-être notre jugement. Ah, écoutez, ça alors là, après, vraiment... Après le fou qui est un vil du verbe, je m'en vais m'efforcer d'être le Mirabeau de la physiologie. Il faudrait dire très sérieusement que la question elle-même, pourquoi une différence de température déclenche-t-elle une réaction physiologique de froid, était pas tout à fait parfaite dans sa formulation, juste préféré une adaptation de l'organisme au froid, mais compte tenu des explications complémentaires du candidat, je lui dis bravo et j'admets parfaitement son plaidoyer après sa réponse imparfaite, mais manifestant une certaine bonne volonté et une certaine clarté d'exposition. Je vous demande, messieurs, de bien vouloir voter de nouveau, madame, s'il vous plaît. Et voilà, monsieur Hab, c'est gagné. Vous avez été un très bon avocat. Accepté 160 francs déjà. Alors attention, messieurs, vous allez maintenant poser la sixième question. Alors la sixième question est celle-ci. Pourquoi le système pileux se comporte-t-il comme un signal d'alerte au froid ? Vous répétez, s'il vous plaît. Pourquoi le système pileux se comporte-t-il comme un signal d'alerte au froid ? Une minute, monsieur. Sixième question. Pourquoi le système pileux se comporte-t-il comme un signal d'alerte au froid ? Trente secondes, monsieur Hab.
Plus que 15 secondes, attention. Deux, un, zéro. C'est terminé, monsieur Ham. Oui, terminé. Vous allez donc nous lire lentement votre réponse. Parce qu'une impulsion hormonale a pris naissance dans le foie et a été transmise sur toute la surface de l'épiderme. Nous réécoutons maintenant votre réponse enregistrée. Parce qu'une impulsion hormonale a pris naissance dans le foie et a été transmise sur toute la surface de l'épiderme. Mon cher Pierre Bourget, je crois que c'est pour vous, cela, n'est-ce pas ? Merci du cadeau. La réponse est, n'est pas du tout satisfaisante, parce qu'une impulsion hormonale qui prend naissance, je ne sais pas en physiologie ce que c'est qu'une impulsion. Peut-être le candidat a-t-il voulu indiquer par ce vocable un petit peu mystérieux qu'il s'agissait d'une sécrétion, c'est cela. Mais comme il n'a pas indiqué laquelle, il est resté dans la plus totale imprécision. Ah. Juste préféré que le candidat indiquât, je lui souffle la réponse qu'il aurait pu faire, que ce que vous appelez ces réactions érectiles du revêtement pileux, et quelque chose qu'on ne voit pas seulement avec le froid, mais dans beaucoup d'autres choses, dans des émotions, quand on a peur, quand, etc. Par conséquent, compte tenu du terme impropre, impulsion hormonale, je ne crois pas vous être favorable, et je me transforme en Fouquier-Tinville de la physiologie. Aïe, 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 est-ce que Nicolas Strovski est de cet avis ? Je me range à cet avis. Les historiens vont-ils mettre un peu de baume? Oui, je crois que le candidat a quand même approché la vérité. Je signale que le vocabulaire a une certaine tendance à l'ésotérisme. Expliquez-vous, Jacques Capelovici. Non, comme dit Pierre Bourget, un peu plus de clarté et de pertinence. Bien, oui. Moi, j'ai l'impression que nos amis scientifiques, au fond, sous des dehors terribles, sont assez gentils. Parce que, en reprenant ce qu'avait dit le candidat, ils lui ont, j'en ai du moins l'impression, qui est à l'origine de la défense de l'organisme contre le froid. C'est ce que j'ai voulu signifier par cette réponse. Terminé. Pierre Bourget. Et que vous faites la part trop belle au foie, je récuse votre plaidoirie. Ah, Nicolas Strovski. Je pense que cette remarque est judicieuse. Effectivement, si le foie joue un rôle important dans la régulation thermique de l'organisme, dans l'érection des poils, il n'a qu'une action tout à fait restreinte. Bien, eh bien écoutez, nous allons voter immédiatement pour la deuxième fois. Hélas, hélas, monsieur Ab. Refusé. Cette fois, vous n'avez pas été un bon avocat. J'en suis désolé, vous ne gagnez pas d'argent, mais monsieur, avant de partir, je vais tout de même vous annoncer une bonne nouvelle. En effet, vous gagnez un abonnement de 6 mois d'un téléviseur couleur. Monsieur, avez-vous la télévision en couleur chez vous ? Non. Eh bien, monsieur, voilà, pendant 6 mois, vous l'aurez gratuitement chez vous et j'espère que vous pourrez voir tous les samedis soirs cette émission en couleur. Monsieur Abbe, merci. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons avoir une concurrente. Vous allez laisser votre place, monsieur Ab, à cette dame qui s'approche. Vous allez lui donner également votre micro. Je pense que vous lui souhaitez bonne chance au passage. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ou mademoiselle, peut-être. Mademoiselle. Mademoiselle, quel est votre nom ? Tonia Dorado. Oui. Quelle est votre profession ? Je suis publiciste. Publiciste. Que faites-vous exactement dans la publicité, mademoiselle ? Je suis publiciste dans une banque spécialisée dans la construction et les travaux publics. Bien. C'est un métier passionnant, je pense. Absolument. Il y a beaucoup de femmes qui pratiquent... Non, justement, il n'y a pas tellement de femmes. C'est ce qui m'intéresse. Vous n'êtes pas seule, tout de même, dans votre profession. Seule comme femme ? Oui. Non. Non, tout de même. Non, bien sûr. Bien. Eh bien, nous allons donc vous poser une première question que je vais extraire toujours de mon petit bocal.
Vous êtes prête, vous savez que vous avez une minute. Vous pouvez bien sûr répondre avant, mais je pense qu'une minute, vous vous êtes rendu compte, chers amis, que ce n'est pas trop pour répondre aux questions et déjouer les pièges de ceux qui posent les questions et aussi des membres du jury. Madame, voici donc la question très différente. Pensez-vous que Nasser ait été plus utile que nuisible à son peuple ou inversement? Madame, je vous répète la question afin que vous puissiez peut-être la noter. Pensez-vous que Nasser ait été plus utile que nuisible à son peuple ou inversement? Madame, vous avez une minute pour répondre à cette première question. C'est déjà fait, madame? C'est fait. Mademoiselle, pardon. Très bien. Je vais vous demander donc de lire à haute voix et lentement, si possible, votre réponse. Oui, il a été plus utile que nuisible. Nous allons réentendre votre voix, madame, qui vient d'être enregistrée. Oui, il a été plus utile que nuisible. Eh bien, je vais me tourner de nouveau vers nos jurés experts. Je vais peut-être commencer par Jacques Capelovici. Oui, la réponse est grammaticalement correcte et appelle naturellement des éclaircissements qui vont venir par la suite. Les scientifiques ont-ils une opinion déjà sur cette première réponse? Une opinion, rien à dire. Une opinion grandement favorable. Oui, bon, les historiens? J'aurais aimé que la candidate répète « à son peuple » pour bien préciser le sens de son... L'affirmation, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il y a le mot « peuple » dans la question. Plus utile que nuisible à son peuple. Oui. Jean-François Cap. Moi, je partage le point de vue de Mme Dulon. Cela dit, je pense qu'il s'agit là d'une faute vénielle. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, eh bien, vous votez. Acceptez, madame, 10 francs déjà gagnés. Défenseur du Trésor public, deuxième question pour Mademoiselle Dorado. Je pense que vous vous attendiez à cette question. Pourquoi Nasser a-t-il été plus utile que nuisible à son peuple? Je répète, pourquoi Nasser a-t-il été plus utile que nuisible à son peuple? Une minute, mademoiselle. Pourquoi Nasser a-t-il été plus utile que nuisible à son peuple? C'est déjà terminé, mademoiselle? Oui. Bien. Alors, vous allez donc lire lentement votre réponse. Parce qu'il a été à l'origine de nombreux changements. Nous réécoutons tous votre réponse enregistrée. Parce qu'il a été à l'origine de nombreux changements. Capelovici, qu'en pensez-vous? La réponse me semble beaucoup trop vague, car cette notion de changement n'implique pas nécessairement la notion d'utilité à son peuple. Il y a des changements salutaires, d'autres qui ne le sont pas. Personnellement, je refuse la réponse. Vous pensiez qu'en une minute, on pouvait en dire beaucoup plus? Je ne dis pas du point de vue quantitatif, mais certainement du point de vue qualitatif. Très bien. Messieurs les scientifiques? Bien, si un changement est une fin en soi, on peut admettre que la réponse est valable. Pierre Bourget, c'est votre avis aussi? Je n'ai pas d'opinion sur cette réponse. Bien. Nous allons voir maintenant les historiens. Madame Dulon. Moi, je regrette aussi que la candidate ne précise pas. Elle aurait pu dire de changement favorable. Ou enfin, parce qu'un changement en soi n'est pas un but, n'est-ce pas? Il peut y avoir des changements qui sont mauvais. Alors, je pense qu'elle a voulu dire de changements qui sont fastes pour le peuple égyptien, mais elle aurait peut-être pu le préciser. Ah, moi, je m'étonne que vous en soyez seulement à dire peut-être, ma chère amie. Parce que je crois que nous sommes là, alors, sur le strict plan de l'histoire, en face d'une négligence de la réponse qui me paraît extrêmement grave. Nous avons trop souvent, justement, entendu dire, et qu'on ne croit surtout pas qu'il s'agit là de notre part d'une attitude purement personnelle, que le changement pour le changement était une bonne chose. C'est une hérésie, c'est une idée pernicieuse en histoire. Personnellement, je n'accepterai pas cette réponse. Eh bien, nous allons voir votre vote. Peut-être aurons-nous des surprises.
Ça passe, mademoiselle Dorado. Vous avez 10 points. S'il vous plaît, messieurs, la troisième question. Nouvelle question donc. Pourquoi de nombreux changements ont-ils été utiles au peuple égyptien? Vous répétez, s'il vous plaît. Pourquoi de nombreux changements ont-ils été utiles au peuple égyptien? Une minute, mademoiselle. Je crois que cette fois, la candidate va être plus précise pour satisfaire les membres du jury. Pourquoi de nombreux changements ont-ils été utiles au peuple égyptien? 30 secondes, mademoiselle Dorado. Plus que 15 secondes. Cinq secondes. C'est terminé. Vous lisez votre réponse, s'il vous plaît. Parce que ces changements lui ont permis de prendre conscience de sa fonction dans l'histoire. Nous réécoutons votre réponse, mademoiselle. Parce que ces changements lui ont permis de prendre conscience de sa fonction dans l'histoire. J'ai envie de demander immédiatement aux historiens de réagir sur cette réponse. Moi, j'ai toujours un peu la même réaction. Je crois comprendre ce que veut dire la candidate, mais je persiste à dire qu'elle ne l'exprime pas bien. Oui. En fait, ce qui me gêne, moi, c'est le mot de fonction. Parce que lui ont permis de prendre conscience de sa fonction dans l'histoire. Est-ce que nous ne sommes pas en phase d'une construction amphibologique? Je ne sais pas. Oui, on n'a pas de fonction. Est-ce qu'il s'agit de la fonction du colonel Nasser? Est-ce qu'il s'agit de la fonction du peuple arabe, du moins de la communauté musulmane? Est-ce qu'il s'agit de la fonction de l'Égypte? Je crois qu'évidemment, notre candidate, pour reprendre un vieux mot d'Henri Torres, souffre d'une certaine difficulté d'expression. Cela dit, si tout à l'heure je me suis montré un peu sévère parce que je n'admettais pas le changement pour le changement, en revanche, je crois comprendre que là, il y a une opinion cohérente et librement exprimée. Par conséquent, je ne m'oppose pas au passage. Jacques Capelovici. Pour répondre à Jean-François Kiap, je dis naturellement que sa fonction s'applique au peuple égyptien. La fonction du peuple. Mais cela dit, nous restons sur notre appétit. Moi, je ne me trouve pas du tout convaincu. Et je ne comprends pas davantage en quoi cette influence a été salutaire. Écoutez, il nous reste très peu de temps. Les exemples ne sont pas assez concrets. Oui, alors il nous reste très peu de temps. Je vais vous demander de voter maintenant, s'il vous plaît. Acceptez quand même, mademoiselle. 40 francs. Quatrième question, s'il vous plaît. Pourquoi un peuple doit-il prendre conscience de sa fonction dans l'histoire? Pourquoi un peuple doit-il prendre conscience de sa fonction dans l'histoire? Mademoiselle, vous avez une minute. Pourquoi un peuple doit-il prendre conscience de sa fonction dans l'histoire? Trente secondes, mademoiselle. Quinze secondes. C'est terminé. Veuillez lire votre réponse, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'un peuple doit assumer un rôle et qu'il ne le peut faire judicieusement qu'en étant conscient du but qu'il poursuit. Nous réécoutons cette réponse. Parce qu'un peuple doit assumer un rôle et qu'il ne le peut faire judicieusement qu'en étant conscient du but qu'il poursuit.
Historien, qu'en pensez-vous, Jean-François Cap, Madame Dulon? Mais moi, je suis toujours dans le vague. Je voudrais arriver à quelque chose de précis et je n'y arrive pas. Nous sommes dans les généralités. Là. Nous ne sommes pas dans l'Égypte. Ah, Pierre Bourget veut dire quelque chose. Oui, je m'excuse de faire intervenir le médical que je suis censé être dans ce débat. Mais en matière de fonctions, je connais les fonctions rénales, les fonctions hépatiques, mais je ne connais pas les fonctions populaires. À moins que ce soit dans votre esprit une sorte de synonymie entre vox populi et fonction populi. Mais il y a plus grave. Dans la réponse que vous venez de nous faire, vous avez commencé par parler de la fonction du peuple égyptien. C'est pas comme si le peuple égyptien était composé de 9 millions de fonctionnaires qui avaient une fonction historique à jouer. Personnellement, je trouve que c'est amusant. Et puis ensuite, vous avez dit que les fonctionnaires égyptiens, donc les 8 millions d'Égyptiens, devaient assumer un rôle. Alors, ils se transforment en comédiens. Et puis, alors, dans un but indéfini. Alors, il y a une espèce de telle confusion verbale dans vos réponses entre d'abord la fonction, ensuite le rôle et enfin le but, que sur le plan de la compréhension très simple du français au-dessous de la moyenne que je suis, je n'ai rien compris. Jacques Capelovici. Alors, aux récriminations de M. Bourget, j'en ajouterai une concernant la langue française, les grammairiens pointilleux déconseillent d'employer le verbe poursuivre quand il est question d'un but, à moins évidemment que le but ne soit mobile. Il vaut mieux dire le but recherché. C'était un détail. Cela dit, je suis entièrement d'accord avec M. Bourget. Oui, alors là, tout d'abord, je suis étonné de la rudesse de mes amis. Parce que, d'une part, en ce qui concerne prendre conscience de sa fonction, c'est le terme qui a été donné dans la question posée par les défenseurs du Trésor. Oui, c'est juste. Donc, je ne crois pas qu'il nous appartienne d'en faire grief à notre candidat. D'autre part, et évidemment, là, je comprends vos réserves, mais j'ai l'impression que nous sommes en face, encore une fois, d'une candidate dont il faut un peu décrypter la pensée. Oui. Or, qu'a-t-elle voulu dire? Elle a voulu dire qu'un peuple devait prendre conscience de ses destinées nationales et par conséquent de sa cohésion pour pouvoir poursuivre un but. Et il me semble qu'il suffit d'avoir le moindre souvenir d'histoire de France pour considérer qu'effectivement, c'est là la première condition à remplir si on veut effectivement se donner un but élevé, ne serait-ce que celui d'assurer le bonheur de ce peuple. Ah oui, mais ça, justement, on ne nous a rien dit de ces buts recherchés. Elle a voulu dire tout ça, cette charmante personne. C'est vous qui devriez être. Vous avez un bon avocat, mademoiselle, en la personne de Jean-François Cap. Écoutez, nous allons voter, si vous voulez bien, et nous verrons. Je voudrais préciser une chose. Ah, attendez, mademoiselle, pour l'instant, vous n'avez pas le droit de plaider. Alors, nous votons d'abord, s'il vous plaît. Refusez. Eh bien, mademoiselle, très rapidement, vous pouvez maintenant plaider. Nous vous écoutons. Je ne suis pas historienne. Je parle surtout pour vous, madame. Et je ne tiens pas à entrer dans ce qui serait vraisemblablement une polémique. J'ai essayé, semble-t-il, avec assez peu de succès, de me cantonner à ce qu'on pourrait appeler la philosophie de l'histoire. Ce sera ma seule défense. Bien, je vous demande de voter de nouveau, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter après ces explications. Oui, oui, ah oui, Pierre Bourget, oui. Ah bon. Oui, il y a quelque chose de très simple qui est l'histoire, qui est l'essai d'établissement d'une chronologie vaille que vaille. Et comme c'est très simple, mademoiselle la candidate ne se sent pas à l'aise dans la simplicité et préfère introduire dans le débat une notion infiniment plus compliquée, qui est celle de la philosophie de l'histoire, à laquelle je comprends encore moins qu'à l'histoire elle-même. Jean-François Cap, vous étiez le défenseur tout à l'heure. Oui, toujours. Je le reste, tout en regrettant d'ailleurs que mademoiselle n'ait pas, comme l'on dit au palais, plaidé ses moyens. Enfin, j'ai tenté tout à l'heure de décrypter ce qu'elle avait voulu dire au bénéfice de l'Égypte nassérienne. Et encore une fois, nous jugeons de la même manière si mademoiselle était contre et oui, concluait à l'inutilité qu'à l'utilité. Ceci n'est pas du tout notre propos. J'ai l'impression qu'effectivement, elle a préféré rester dans un autre langage et tenter de dominer le problème par des moyens philosophiques. À mon avis, c'est dommage parce que, personnellement, mais peut-être suis-je bien lié, je trouvais plus de sens à sa déclaration avant sa deuxième intervention qu'après. Cela dit, bien entendu, et fidèle à moi-même, je continuerai de voter pour. Alors le vote, s'il vous plaît. Acceptez, mademoiselle, 80 francs. S'il vous plaît, la cinquième question. Eh bien, la cinquième question, la voici. Nous disons ouf. Nous allons pouvoir la poser. Pourquoi le peuple égyptien,
qui a déjà l'histoire la plus longue du monde, a-t-il besoin de nos jours d'assumer un rôle historique ? Vous nous répétez ça lentement, s'il vous plaît. Oui, je vais le dire lentement, Monsieur Bardin. Pourquoi le peuple égyptien, qui a déjà eu l'histoire la plus longue du monde, a-t-il besoin de nos jours d'assumer un rôle historique ? Une minute, mademoiselle. Pourquoi le peuple égyptien, qui a déjà eu l'histoire la plus longue du monde, a-t-il besoin aujourd'hui d'assumer un rôle historique ? Secondes. Secondes. C'est terminé, mademoiselle. Très bien. Veuillez, s'il vous plaît, nous lire votre réponse. Parce que précisément, il a, selon vos termes, l'histoire la plus longue du monde. Son expérience devrait donc lui servir à construire l'avenir. Nous réécoutons votre réponse enregistrée. Parce que précisément, il a, selon vos termes, l'histoire la plus longue du monde. Son expérience devrait donc lui servir à construire l'avenir. Pierre Bourget, vous attaquiez tout à l'heure. Oui. Je continue à ne pas comprendre les réponses, je m'excuse, je manque de moyens. Mais d'abord, le peuple égyptien n'a pas, que je sache, et je pense que les historiens seront d'accord, l'histoire la plus longue du monde. Et que, deuxièmement, je voudrais bien savoir ce que ça veut dire construire l'avenir. Ça se construit, l'avenir ? Moi, je croyais qu'on construisait des maisons, mais construire l'avenir, enfin... Les historiens. Mais non, moi, je crois que nous essayons, contrairement à ce qu'elle semble penser, d'aider la candidate à formuler sa pensée, mais elle ne veut pas nous la donner. Encore une fois, j'aimerais qu'on nous dise des choses précises. C'est pas uniquement parce qu'on a eu une histoire longue. C'est peut-être, il y avait peut-être choses à dire, parce que le peuple égyptien a été humilié, parce qu'il a été colonisé, enfin je ne sais pas. J'aimerais qu'on me dise des choses précises, encore une fois. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est que nous sommes en face d'une déclaration cohérente, mais qui ne constitue pas une réponse à la question posée. Il a été demandé pourquoi il avait besoin d'assumer un rôle. Mmh. Et madame nous a répondu... Ceci devrait lui servir. Oui. Là, ça n'est pas la réponse. Jacques Capelovici. Oui, je signale que par ses réponses antérieures, la candidate s'est fourvoyée, à mon avis, dans l'abstraction, et je ne constate pas qu'elle sorte de l'abstraction par les réponses qui ont suivi. Je vous demande de voter, s'il vous plaît. Refusez, mademoiselle Dorado, vous avez quelques instants pour vous défendre de nouveau. Je voudrais d'abord préciser une chose. Le terme, enfin l'expression, l'Égypte a l'histoire la plus longue du monde, était contenue dans la question. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette affirmation. Mais j'ai dû l'admettre. Oui. Je ne puis pas contester la question qui m'a été posée. J'ai donc répondu en fonction de cette question. Vous avez terminé votre plaidoirie, mademoiselle ? Oui. Oui. Eh bien, c'est dommage, j'ai l'impression que madame nous a dit elle-même d'abord cette plaidoirie. Oui, il me semblait aussi que ça n'était pas terminé. Défendez-vous, mais... mademoiselle de Grasse. Que puis-je ajouter d'autre ? Pardon ? Je dis que puis-je ajouter d'autre ? Eh bien, écoutez, je suis obligé de vous demander de voter maintenant, car le temps nous presse. Veuillez revoter, s'il vous plaît. Eh bien, hélas, mademoiselle Dorado, je pense que vous étiez vaincue déjà avant de plaider. C'est l'impression que j'ai eue, en tout cas, vous ne vous êtes pas bien défendue. Vous aviez un petit sourire un peu triste.
pensant que vous étiez peut-être battu. En tout cas, je voudrais que vous repreniez votre sourire, mademoiselle. C'est un jeu, c'était la première émission. Vous avez, comme on dit un peu vulgairement, essuyé les plâtres ce soir avec nous. Alors, vous allez être récompensé tout de même et vous allez recevoir, comme le candidat précédent, un abonnement de 6 mois pour un téléviseur couleur. Mademoiselle, bonsoir et merci. Je vais également vous dire bonsoir, chers amis. Nous vous disions au début que vous seriez peut-être un peu dérouté par cette émission. Je ne sais pas, vous allez peut-être maintenant en parler entre vous, comme nous allons le faire ici, entre tous les responsables de cette émission. En tout cas, ce que nous espérons, c'est vous avoir fait passer une bonne fin de soirée et nous espérons vous retrouver samedi soir. Bonsoir, merci.